Parlons maintenant d'une campagne inédite lancée par la Fédération des chasseurs. Un clip vidéo destiné à valoriser leur action, la convivialité et le respect de l'environnement. Les antichasses apprécieront entre le Pas-de-Calais et la région parisienne. Hortense Villade, François Boisson et Gauthier Delobette. Lorsque la Fédération des chasseurs du Pas-de-Calais lui a proposé de participer à ce clip publicitaire... Là, c'est exactement... Hop, là, c'est moi. Sophie, 38 ans et chasseuse depuis 4 ans, n'a pas hésité. On avait envie de montrer ce que c'était réellement la chasse, comme nous, on la vit, avec la passion pour la nature, les animaux, les moments partagés en famille, entre amis. C'est vrai que je suis fière. Une campagne publicitaire télévisuelle, la première de l'histoire de la Fédération nationale des chasseurs. Objectif, mieux faire connaître la chasse au grand public, alors que 2/3 des Français se disent aujourd'hui mal ou pas assez informés sur cette pratique. On s'est rendu compte dans un sondage qu'on a fait il y a peu de temps que la plupart des gens qui ne connaissent pas la chasse la rejettent. La chasse d'aujourd'hui n'est pas la même il y a 20 ans, alors elle est très éloignée de celle d'il y a 50 ans. Donc voilà, donc on fait voir, on assume et on évolue avec la société qui nous entoure. Sauf que pour les associations de défense des animaux, cette campagne publicitaire ne montre pas la réalité de la pratique. Pour la Fondation Brigitte Bardot, qui vient de déployer partout en France 1500 de ces panneaux, le grand public est donc trompé. Alors pour nous, c'est une espèce de conte où les chasseurs fantasment un petit peu leur pratique, c'est-à-dire qu'il n'y a ni armes, on ne tue pas d'animaux, on voit simplement des chasseurs qui se promènent avec des enfants. On se pose la question, est-ce qu'ils ne sont pas en mesure d'assumer ce qu'ils font et ce qu'ils sont? Et donc on ne comprend pas le but de cette campagne. Ce à quoi la Fédération des chasseurs répond, diffuser des images d'armes ou d'actes de chasse est de toute façon interdit en France par l'autorité de régulation de la publicité.